Bonjour à tous, ici Sprilex et bienvenue dans ce 22e épisode hors série de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nous continuons notre quête des 120 sanctuaires, mais pour l'instant, on est bloqué. Bloqué non pas physiquement, parce que je peux bouger, c'est pas ça, mais je suis obligé de rester sur ce bloc de glace avec cette boule de neige en main. Cette énorme boule de neige que j'ai galéré à faire parce qu'il fallait qu'elle soit assez grosse pour pouvoir faire de l'ombre à la plateforme qui est là, mais assez légère pour que je puisse encore la soulever. Et donc voilà. Ensuite, j'ai galéré pour la faire monter sur le bloc de glace. Et maintenant que j'ai réussi, on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc vous voyez mon ombre là qui se rapproche doucement mais sûrement de la plateforme. Voilà. On va devoir donc attendre tout doucement, gentiment, que ça arrive. Ça ne devrait pas prendre plus de quelques minutes. En attendant, si vous aimez cet exploit hors du commun de la part de Link, un petit pouce en l'air serait le bienvenu. Ok, ça avance doucement. On peut voir que la boule de neige, l'ombre de la boule de neige bouge en même temps que moi, donc c'est vraiment moi. De toute façon, je vois pas qui ce serait d'autre. Et ça arrive. Ok, ça s'est allumé. Allez, allez. Allez, allez. Là, je suis bien. Il faut juste, normalement, éclipser le centre. Voilà. Bingo. Ouf. J'ai réussi. La boule de neige, on la lance. Voilà, plus besoin. Boum. Alors, le sanctuaire, il est là-bas. Ok. Et il y a un lézard qui apparaît. Oups. Oh bon, bah. Voilà. J'avais soufflé un peu trop fort et il est tombé. Ok, parfait. J'ai galéré pendant bien une demi-heure avant de pouvoir réussir à faire tout ça. Et donc, nous sommes à 110, nous pourrons arriver à 112, voire 113 dans cet épisode. C'est une bénédiction. Parfait. On a perdu assez de temps dehors.
Très bien. Alors, maintenant, on va aller, je ne sais pas où exactement, on va fouiller un peu les zones qu'on n'aurait pas encore fouillées. Alors, ici. Je ne pense pas qu'il y en ait ici. Là, je pense qu'on a tout fait. Il y a toujours le à la source de la force ici. Pour cela, il faut que je trouve un dragon rouge. Le dragon rouge, il est dans cette zone ou bien dans la zone du volcan, je pense. Donc on va aller voir ça. Quoique non, dans cette zone-là, c'était plutôt le dragon vert. Dragon électrique. Enfin bref, on va essayer de voir. On va grimper. On va continuer à prendre des champis en pot. Parce qu'il y a moyen d'avoir, je pense que c'est un rubis. En donnant 55 champis en pot à un vieux. Qui ne les achète que par l'autre 55. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais pas plus. Voilà. Il y a un ours. Champi-glagla. Alors, il y a un gros glaçon là-bas. Ah, là, il y a l'air d'avoir un. Mais j'ai pas les armes pour. Il me manque des munitions. Sinon, c'est un golem de glace. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Bref. Il y a les ailes. Non mais. Allez, on y va. Bon, il n'y aura rien, ou bien ce sera vraiment. Ouais, il n'y a rien. Tout ça pour ça. Ah, si, il y a un corps au goût. Ok, bon. Tout ça ne me dit pas ce que je peux faire. Je ne vois pas de dragon. Ah si, là-bas. C'est le vert. C'est Rordrak.
Et c'est Ordrak qu'il me faut. Donc c'est pas lui. Donc ici c'est le vert. On va pouvoir se téléporter. Et aller plutôt. Alors ici, du côté des bras. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a un dragon? Hop, 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 hop. Eh ben, je vous jure. Allez, c'est parti. Voilà, et on fait attention aux trous. Je dois trouver un dragon. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme quête? Mystère au relais. Ah, on n'a pas encore fait celui-là. C'est où? D'accord. Bon, bah on verra pour ça après. Pas de dragon. Eh bien, on va aller au relais tout de suite. Ça n'a pas l'air d'être une nuit de lune de sang. Ça va être galère parce que bon bah il faudra attendre et faire passer la journée jusqu'à ce qu'on arrive à une nuit de lune de sang. Ah oui, c'est ce pont. Donc, un sanctuaire ici. Un sanctuaire. Un relais ici. Un relais du pied de la montagne. Oh. C'est toujours un plaisir de voir ton visage. J'espère que le malheur épargne ton voyage. Tu sais, les théories quant à l'origine de l'air que j'ai chanté dans le relais sont nombreuses. D'après mon maître, il s'agit du chant avec lequel le héros de légende appelait son bien-aimé destrier. Non. Plus tard. Bon, on va éviter de réécouter. Qu'est-ce qui est marqué? Ah d'accord, c'est l'affiche pour faire une potion de résistance au feu. Alors ici. Non, raté. Alors zoom. Non. Bon, pourtant. Ah, voilà.
Donc, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un sanctuaire là. On voit la montagne de feu. On voit le relais. Vais toujours en faire une photo au cas où. Sauvegarder. Et on va aller trouver ça. Pour moi, ça voudrait dire que le relais est... Mais le relais, pardon. Le sanctuaire est par là dans la montagne qui est là-bas. J'en suis pas sûr. Hop, violette. Parce que quand on regarde... Allez, on regarde les photos. Voilà, quand on regarde la photo, on voit la montagne de feu au milieu, le relais à droite et le sanctuaire à gauche. Donc pour moi, il faut aller par là. Ah bah voilà. Il suffisait de demander. Alors, il faut le trouver, hein. Non, il n'est pas là. Il doit être dans le coin. Ah bah il est là. Ok. Mystère au relais terminé. Parfait. Alors là, ça va être un sanctuaire. J'imagine que ce sera pas une bénédiction. Ok, et ça n'a pas l'air non plus d'être... Ok, répandre le feu. Ouais, bon, bah voilà. Oups. D'accord, ça ne marche pas bien. Ouais, ça ne marche pas bien. Bon, c'est pas grave. Alors, on a des flammes. Ok. Bingo. Voilà. Alors ici... Aïe. Bon, c'est pas grave. Voilà, on a... Tiens, il y a... Il y a un coffre là derrière. Brise rock. Bon, on va le laisser. Alors à côté de ça, ici il y a une clé. Ben... Oui, bon, ben voilà quoi. Ah, zut. C'est pas le la clé qui était là.
Ah d'accord. Ok, bon. Je vais être obligé. Une flèche. Voilà, très bien. Et la clé, je dois la prendre. Ok. Hop, la faire passer au-dessus alors. Voilà. Petite clé. Je peux ouvrir la porte. Et prendre le coffre. Rubis brut, c'est sympa. Ça me fait de l'argent. Très bien. Donc on avance. Ça nous en fait 112, il me semble. Alors, il faudrait nous en trouver d'autres. Où est-ce que je pourrais aller? Ça c'est fait, là-haut c'est fait. Il me semble qu'il devrait en avoir un encore par ici. Je ne suis pas sûr. Mais non, on va peut-être pas y aller tout de suite, à moins qu'on y soit obligé. Alors, la lune de sang à la source de la force, d'accord. On n'a rien de plus. Ouais, je pense que je ne serai obligé. Oups. Tiens, un lac en forme de cœur là. On ira peut-être une fois le voir un jour. Ça c'est déjà fait. Le bois de remue, ok, ça on connaît. Ah oui, fontaine de Marlon. Bon, je ne vois pas où il y en aurait d'autres. Il est quelle heure? Il est 6h du matin. Ça ne le fera pas. Donc ici, on va... Eh bien, on va les fouiller. Hein, on va les fouiller par là. Parce que je vous le dis, il me semble qu'ici, il devrait y en avoir un. Je suis pas sûr du tout.
Et on va attendre comme ça pour soit trouver un dragon rouge. Mais là, il faudra plutôt aller dans la montagne. Ou, à côté de ça, attendre une lune de sang. J'arrive ici, on va prendre Dams. Hi. Allez, allez. Je connais tout ça. Ok. Voilà. Alors, il faut aller vers le nord. On tourne au pont. Ouais, on tourne au pont et on fouille. Aider. Allez, à voir toi. Changer d'arme. Voilà. Remède silencieux. Ok. Bon bah voilà. Faut aller voir. Oula, il y a des explosifs. Il y a quoi? Un arc en bois. Champignons grillés. Non, rien de plus. Éventail Korogu. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi il y avait autant d'explosifs. Allez, c'est parti. Attention aux gardiens, même s'ils sont morts, il y en a un qui est pas mort. Très bien, un renard. Gardien.
on fait attention au gardien. Pleine vide. Alors, je suis là, d'accord. Il y avait le, oui, le crâne ici, mais ça, on s'en fiche. Ruine du ranch. Colline des sifflements. Il y a une forêt. Bon ben, j'ai dû me tromper. Mauvais bouton. Allez, on va suivre le chemin. On va vite retourner à un relais. Encore au goût. Alors, allez. Non, allez, dedans. Voilà. Ok, on laisse la pomme. Pas besoin. Ici, on tourne et on va vers le relais. Ok, parfait. Yep. Non, mais casse-toi. Ok, j'ai plus. Zut. Voilà. Pour un coup. Voilà. Ok, il est là. Oh, c'est qu'il donne beaucoup, lui. On va aller jusqu'au relais et attendre le soir. Je pense que j'avais une quête à donner ici. Ah bah non, je l'ai déjà faite. Soit, on va attendre jusqu'à la nuit. En espérant voir la lune de sang.
là, on peut reprendre le cheval. Alors, ce qu'on peut se tenter, et ça je l'ai vu dans ma partie solo. Oui, quand je parle de partie solo, c'est toujours la même chose, c'est ma partie que je fais de mon côté. Une nuée de chauves-souris. Alors, il y a une arène dans le coin où on peut combattre des linelles, des trucs comme ça, pour avoir leurs armes, leurs boucliers, des choses comme ça, quoi. Je ne sais pas ce qu'il y a au bout, peut-être qu'il y a un trésor. Et c'est ici, là. Donc ici, on peut aller tout droit. Bon. Si le cheval veut bien... il est où le nord ? Ok, c'est bon. Ouais, non mais... Non, c'est bon. J'ai rien dit. Wow. Tiens, j'avais jamais vu ici. Ouais. Tu te tais, tu te tais. Et voilà. Petite fontaine comme ça. Y a pas un corps au goût. Ah si, il y en a un là. Voilà. Rien de plus. Qu'est-ce que c'est là-bas? On y arrive. Ok. Je sais pas par où il passe, mais il y a. Une étoile filante là-bas. Bah ouais, mais t'es où? Ok. Allez, on y va. On va aller voir là-bas. Mais c'est que tu te débrouilles vraiment pas mal. Mais moi, j'étais un peu en difficulté. Tiens, c'est pour te remercier. Élixir féerique. Ah, sympa. Je leur ferai payer la monnaie de leur pièce la prochaine fois. Ils verront. Et toi? Ouf, la patronne est saine et sauve. Je lui avais pourtant dit qu'on devait chercher les trésors dans un endroit... Qu'on devait pas chercher les trésors dans un endroit pareil.
Ok, bon bah j'ai récupéré un bouclier, je suis content. Plus l'élixir féerique. Il faut aller voir là-haut. Non, il n'y a qu'un vieux lit tout délabré. Et c'est là. On va y aller à pied. C'est juste pour vous montrer, on ne va pas y rester très longtemps. Voilà. Allez. Il y a quelque chose. Non, il n'y a pas l'air d'avoir un korogu qui traînerait dans le coin. Alors ici, il y a de la corruption. Dans l'arène pour combattre des monstres. Gagner des armes et des trésors. Bien garder les yeux sur l'ennemi. Bah, pardon, tout le temps. Alors, cibler, suivez. Ok. Faut aller voir par là. Il n'y a rien de plus. En bois, c'est toujours ça en plus. Comme je dis, il n'y en aura pas trop de quelques-uns, même si je n'ai pas vu. Toi, tu te tais, et toi aussi, et toi également. Il y a des explosifs. Voilà, ça n'a rien fait de plus. Donc on va vite aller voir une fois comment on se débrouille. Alors, avant ça, on s'équipe. Parce que bon. Faut pas y aller non plus. Les mains dans les poches. La fleur au fusil, comme on dirait. Faut s'équiper. Donc là, déjà, l'armure, c'est bon. Pour l'arme. Ça, je pense que c'est bien. La feuille, je vais l'acheter. Ok. Et pour le bouclier, eh bien, je vais prendre le plus résistant en attendant. Donc, vous voyez, il y a un linel. C'est un linel blanc. Donc, c'est pas non plus le dernier des... Très bien. Hop, allez. Aïe. Bon, si je fais des conneries, ça ne va pas. Ok. Là, on court. Raté. Allez,
c'est parti. C'est très bien tout ça. On joue pas sa vie. Aïe. C'est pas grave, j'ai mis fa s'il faut. Voilà. Je te protégerai. Allez, cours. Raté. 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 Faut courir. Raté. Voilà. Y'a plus de bouclier. Je suis très mal, hein, je l'avoue. Voilà. C'est parti. Ok. On va utiliser... Bah, la grosse épée de feu, hein. Allez, c'est parti. Voilà. Ah, j'ai raté. Forcément, hein, y a un moment où... les réflexes c'est bien mais hop, courir, c'est bon. Attention. Eh, je me suis trompé de bouton. C'est parti. Ouais, allez. Alors, on court. Voilà, on est assez loin. Et voilà, je suis mort. Donc, comme ça, vous avez vu un peu, hein, c'est violent. Ensuite, on peut monter, il y a des lézales, il y a des... Enfin, il y a pas mal de méchants à tuer qui peuvent nous donner chacun des armes, des armures... Enfin, des armures, des boucliers. Et donc, voilà, on va s'arrêter là. Et on se reprend dans le prochain épisode avec, j'espère, d'autres sanctuaires trouvés. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ceci dans les commentaires. Mettez un pouce bleu si vous aimez et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Je file, portez-vous bien, bye.